Bonjour, je suis le lieutenant Mathieu Vanoni, je suis le chef de centre de Châtillon-du-Bois depuis 3 ans et sapeur-pompier volontaire depuis 27 ans. Donc à Châtillon, on est 23 sapeurs-pompiers, 12 hommes et 11 femmes. Donc en 2021, on a fait 386 interventions. Donc on intervient sur 5 communes, les communes de Saint-Romand, Minglon, Boulc, Villandage et Châtillon. On est évidemment très intéressé pour recruter des gens. Donc on peut avoir un métier à côté bien sûr et être pompier volontaire. Il ne faut pas habiter trop loin de la caserne quand même, donc il faut être domicilié sur les communes de Saint-Romand, Minglon ou Châtillon pour pouvoir être pompier chez nous. À la fin de la vidéo, vous retrouverez toutes les informations pour me contacter, pour qu'on puisse se rencontrer si vous êtes intéressé pour devenir sapeur-pompier volontaire à Châtillon. Je suis devenu sapeur-pompier volontaire parce que j'ai toujours eu dans l'esprit de vouloir aider les autres. Et voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu, de faire du secours, des choses dont on n'a pas l'habitude. Et puis oui, cette adrénaline du bip, de partir en intervention, c'est ce qui me plaît. Alors, je fais partie de l'équipe spécialité EPIM, donc équipe de première intervention au milieu montagnard. Donc, cette spécialité consiste à intervenir sur les chemins de randonnée, sur les via ferrata pour mettre en sécurité les personnes avant que l'équipe spécialisée montagne arrive sur les lieux. Engagez-vous. Il n'y a pas d'erreur. Si ça vous convient pas, ça vous convient pas. On ne vous empêchera pas de partir. Ça sert avant tout à resserrer les liens de l'équipe. Donc j'ai intégré l'équipe EDASA il y a 2 années. Donc c'est une équipe de sauvetage animalier. Voilà, au sein de la caserne de Châtillon. Donc nous sommes 2 équipiers. Les sapeurs-pompiers sont présents tous les jours. Ils aiment avant tout porter secours. Je crois que c'est la mission première. Et pour devenir sapeur-pompier, il suffit de s'engager. Les sapeurs-pompiers ne sont pas inaccessibles, comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est le partage et la belle énergie.